Dans un instant, vous allez tout savoir sur 80 ans du stade de l'Escure, parce qu'il y a avec moi sur ce plateau deux l'Escurologue. Et eh oui, ça existe. Ils sont là officiellement, Laurent Brun et Julien B., auteur de l'Escure 80 ans d'histoire, de sport et d'événements qu'on va en détailler dans un instant avec eux. Mais tout de suite, un coup d'œil sur les principaux résultats de ce week-end sportif, avec pour les Girondins de Bordeaux. Un échec, on peut appeler ça comme ça, 0-0 euh, pour les Marinets Blancs à, à Dijon, sachant que quand même euh, les Marinets Blancs euh, ont vu deux buts refusés euh, en raison de la vidéo. Arbitrage Bordeaux qui se retrouve du coup douzième euh, de euh, de la Ligue 1 avec seulement 17 points. Regardez le Paris Saint Germain déjà 42. Ça commence à faire beaucoup. Euh, prochain match pour les Girondins, ça sera justement la réception du Paris Saint-Germain. Le dimanche 2 décembre, nous aurons bien sûr certainement l'occasion d'en reparler sur TV7. Parlons de rugby également maintenant avec euh, l'UBB qui finit par bien s'en sortir après plusieurs semaines un petit peu houleuses euh, du côté notamment de, de, de Moga. Eh bien, l'UBB a bien réagi en battant euh, Toulon sur le score de 36-25. L'UBB, qui est septième donc, donc du top 14, est toujours en course. Vous l'avez compris pour les places qualificatives. Prochain déplacement pour l'UBB, ce sera dimanche à. Perpignan. Voilà pour les principaux résultats, sachant que bien évidemment le rugby, nous en parlons sur TV7 avec Mathieu Dalvo, Dalzovo. Mais tout de suite, parlons du stade Lescure, justement là où l'Union bordeaux bègles s'est imposée le week-end dernier, avec donc cet ouvrage, Lescure, 80 ans d'histoire, de sport et d'événements. Les deux auteurs sont ici avec nous Laurent Brun, bonsoir, bonsoir. et Julien B. Bonsoir. Bonsoir Bastien. Euh, souvenir, retour des épisodes précédents, parce que ce n'est pas le premier hein, euh, album et livre que vous, vous faites sur l'escur. Regardez chacun le sien. Alors chacun, voilà. Donc, Supporter à les Bordeaux, ça c'était le, le, le premier souvenir ouais. de supporter au stade Lescure. Lescure et les Girondins, ça c'est le deuxième tome de ce qui quasiment maintenant une encyclopédie hein, de l'escur. Hein, on appelle ça une anthologie. Toi. Une anthologie, hein, <laughs> parce que vous êtes maintenant l'escurologue. <laughs> donc, l'escur et les Girondins de Bordeaux. Là, maintenant, c'est l'escur, 80 ans d'histoire de sport et d'événements. Alors, on va commencer par les événements. Parce que c'est vrai qu'en général, l'escur, c'est très souvent de foot et de rugby qu'on parle. Mais dans cet dernier ouvrage, on apprend, par exemple, j'ai pris les autres hein, parce que ça m'a un peu étonné, il y a eu du hockey sur gazon. Du football américain. Et alors là, messieurs, photo à l'appui, en 1950, un match de polo-vélo. Mais... <laughs> <rien> mais... <laughs> alors, t'a rien l'escurologue, mais, mais jusqu'à quel point quand même hein Parce qu'on avait trouvé un match de polo-vélo en 1950 à l'escure. Et en plus, quand on regarde bien la photo, parce qu'il y a une preuve, il y a du monde ouais. dans les tribunes. Oui, ouais, du monde. C'était le, le lieu de, de rendez-vous de tout le monde pour le foot, pour le vélo, pour le rugby mais pas que pour ça effectivement enfin Julien peut-être tu peux parler un peu plus de, ouais, parce du polo-vélo oui oui alors Julien <laughs> est non, spécialiste hein, alors, quoi, un parce polo -vélo, que Julien il a aussi géré le handball à 11 et oui alors voilà j'ai so, so, découvert ça que avant d'être un sport en salle le handball était un sport euh, de plein air exactement. et on jouait à 11 sur un terrain de foot exactement c'est la jeunesse du, du vrai handball du handball qu'on connaît aujourd'hui qui, qui se joue à 7 contre 7 effectivement dans une salle avant ça se jouait à 11 contre 11 sur un terrain de foot c'était issu d'un sport allemand qui s'appelait le Torball, et euh, ou le Torball en allemand. Et, euh, et ça a été un, un grand succès en Allemagne et ça s'est exporté un petit peu partout en Europe. Euh, il y a eu des Jeux Olympiques qui se sont déroulés d'ailleurs de, 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 de handball à 11. Et euh, les Allemands étaient très très forts à, à ce jeu-là. Et il y a eu des matchs, et notamment un match de l'équipe de France de handball à 11 qui s'est déroulé à Lescure face à l'Espagne alors ce qui est fabuleux c'est qu'on en parle comme ça mais il y, y a des, des articles euh, ce qui est intéressant c'est que vous euh, dans la façon dont vous écrivez vous nous faites revivre le, le match comme si on y était notamment les matchs de foot c'est vraiment très, très étonnant comment vous avez, vous avez, vous avez pu trouver tous ces, tous ces documents là parce que du polo, au vélo et du, ouais. du handball <laughs> à, à l'escur il faut se lever tôt quand même hein. on, a, on a appris <laughs> beaucoup de choses parce qu'il euh, <coughs> y, y a beaucoup de sports dont on ne soupçonnait même pas l'existence c'est vrai et, euh, et ce, ce stade a toujours été y compris le premier qui a été construit 1924 au même endroit. Au même endroit ouais. euh, voilà, C'est un appel à ciel ouvert à toutes les disciplines, toutes les pratiques. Et pour répondre à la question, on a, on a eu la chance, euh, notamment avec les deux premiers ouvrages euh, que nous avons montrés en préambule, que l'on peut toujours se procurer d'ailleurs. Ouais. Euh, des gens ont vu ce travail-là et nous ont aussi contactés spontanément pour nous dire, bah, moi j'ai assisté à ça, euh, moi j'ai assisté à ça. Alors bah, oui, Alors, vous avez assisté à quoi ben, Moi j'ai vu Olivier Nice. Alors voilà, par alors rapport là, justement aux ou... événements, oui, Holiday <laughs> Nice a, alors... a été produit. Euh... Ah ouais, c euh, alors s... avec Julien, au début, on, on savait plus ou moins, mais on ne savait pas comment. C'est sur la pelouse. Effectivement, c'était une grosse, grosse machinerie avec euh, des camions à l'américaine. Et on, on a trouvé notamment le, le, le fils de l'ancien gardien du stade, euh, monsieur, monsieur Martineau, M. Nam Martineau. Un peu par hasard, on a discuté. Il a moi, j'ai vécu dans le stade. Alors on s'est dit, ah ouais, vous avez vécu dans le stade avec des anecdotes incroyables. Et il ouais. a même participé à Holiday on Ice. Donc ces témoignages-là, on a cherché pendant deux ans. Puis moi, je me suis aperçu que ma maman avait assisté à la première représentation aussi de Holiday on Ice. Et, et de fil en aiguille, il y avait des témoignages. Euh, le service euh, archive aussi et documentation de, de Sud-Ouest nous a beaucoup aidé On a retrouvé les... Eh ben les les comptes rendus des témoignages, en fait, ça s'est étalé sur 10 ans. quoi Alors, le, 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 le fautif de tout ça, il faut, il faut le désigner, hein, c'est Julien B. qui a eu. C'est de sa faute hein, tout ça. Ah, c'est son Parce idée de départ. Que... Hein. C'est quand. Les euh, nostalgiques lui, de l'ESCUR en voilà, 2015. C'était plutôt le côté. Ah, mais tiens, si on faisait un truc sur l'ESCUR. Ah ouais. oui, bonne idée. Et là, est-ce est en fait. que vous avez imaginé un quart de huitième de seconde. Que, que ça se vous... finirait comme ça ouais. Non, pas du tout. Ouais. Bah, c'est pas du tout, mais c'est fini d'ailleurs. C'est pas fini, mais c'est extraordinaire cette histoire. C'est une aventure extraordinaire qu'on vit avec le 4 ans hein, que vous y travaillez qu ça fait 4 ouais. ans euh, des, des recherches d'archives, effectivement des personnes qui sont venues vers nous pour nous proposer leurs archives et, euh, et on se rend compte que ce stade a, a vécu et vit encore, hein, parce qu'il vit encore ouais. une histoire incroyable et qu'il ne faut pas l'oublier. Des choses absolument euh, fabuleuses, hein, parce que euh, partout au... au au moment de l'inauguration, il est considéré un petit peu comme euh, l'un des plus euh, beaux stades ouais. d'Europe, l'un des, euh, des plus novateurs. Ouais. Bah, c'est un petit peu ce qu'on entend dire sur euh, le stade d'aujourd'hui, hein, sur le ouais. grand stade. Hein, comme mmh. étant des, que la des la des grande particularité de ce stade, qui est, qui est un stade de style moderniste construit pendant la période Art déco, c'est que c'est quasiment le premier au monde, ou un des tout premiers au Sans monde. Ouais, sans piliers. Ouais. cest à que tous les stades sur le modèle anglais-britannique avaient des piliers, donc vous avez toujours des rangées derrière qui, qui ne voient pas ouais. Là, euh, conception novatrice. Euh... Alors on va, on, on va aborder là tout de suite maintenant le sujet qui fâche, et puis après on parlera de l'Escure. <laughs> Est-ce que vous avez l'impression que le, le grand stade restera de la même façon dans, dans les mémoires, mémoires que l'Escure On n'a pas l'impression que c'est la même histoire qui s'y écrit écrite. Le, notamment bah, par le fait que ce n'est pas un stade de centre-ville. Et que, ah oui, bon, ça, vrai. Euh, on n'a pas l'impression qu'elle est et surtout que ce stade ne vivra pas autant de vie qu'en a vécu lescur en termes de sport parce ouais. qu'il a vécu du sport mais il a vécu vous le lirez peut-être pour ceux qui liront le, le livre et, il y a eu des échecs aussi oui. un tournoi d'échecs oui. enfin, il s'est passé des choses des extraordinaires concerts. dans ce stade Alors, des, concerts. À... des concerts johnny oui, il y en aura ouais. au matmut aussi mais il y, y a des sports comme le cyclisme par exemple qui ne seront jamais au matmut atlantique donc ce sont deux monuments différents Ouais. D'ailleurs, je dirais même monument plus pour, pour l'Escure que pour le Matmut Atlantique. L'Escure, c'est un vrai monument. C'est un monument, comme on l'a dit, archi architectural qui est vraiment très particulier. Ouais. Et donc, euh, ce n'est pas pareil pour le Matmut Atlantique. Et alors, on sent que vous en êtes vraiment amoureux de cet endroit, tous les deux. Hein, vu la façon dont vous vous bah parlez, en bah tout après, cas. Alors, moi, je suis un peu plus âgé que Julien, mais j'ai 44 ans. Je vais au stade grâce à mon père, mon oncle ouais. et cousin depuis que j'ai 6 ans. Donc, j'ai assisté à quasiment presque tous les matchs de foot des, des Girondins. Et, ah, c'est l'ADN, quoi. C'est l'ADN ouais. et Julien, on le dit souvent, mais il a une belle histoire aussi dans mmh. ce stade, puisque. Bah... Ah oui, j'ai rencontré ma femme dans, dans le virage sud en allant voir des matchs de, de foot. Donc euh, voilà, il, il, est, il est important pour ma vie personnelle, ouais. professionnelle aussi, puisque ouais. j'y ai commenté des matchs. Donc euh, voilà, c'est important qu'on fasse ça. Et il y a eu plein de choses il y a eu du foot américain, du hockey ouais. sur gazon, du motocross, ouais. De l'athlétisme, euh, du cyclisme, bien Évidemment. sûr. Il y a eu aussi le, la 73e fête fédérale féminine de gymnastique en 1953. Bon, c'était pas pas... Euh, il y, y a des manifestations le, politiques aussi. Il y a le eu, plus y a eu plein de choses. Alors, parlons quand même maintenant de, de, de foot. Parce que quand même, hein, l'escuré, le foot, c'est quand même une, une belle histoire. Parce que tout a commencé en 1938 avec un match... Euh, de Coupe du Monde, s'il vous plaît, Brésil, Tchécoslovaquie. Alors, je vous conseille sincèrement la lecture de ce match <laughs> parce que j'ai l'impression qu'ils ont, ils ont, ils se sont mis. C'est une boucherie. Ça ah, qu'il <laughs> Il faut préciser une chose. Il faut lire. Il faut lire. Voilà. C'est qu'à l'époque, quand il y a un blessé. Ouais. Et oui, et parce qu'il y a eu deux matchs. En fait. ça a été, oui, voilà. Visiblement, ce match a été absolument voilà. terrible. À l'époque, il y a pas de remplacement possible. Les règles du football n'autorisent pas un remplacement. Donc, on est blessé, soit on continue à jouer en étant blessé, soit on sort. Il n'y avait pas de match nul non plus. Voilà. Match nul, on rejoue, on le rejoue, match, rejoue. Donc il y a eu deux, deux quarts de finale, le même ouais. en fait, mais joué deux fois. Et c'était un Brésil-Tchécoslovaquie. L'équipe du Brésil commençait à naître vraiment à, avec un football chatoyant, avec Leonidas qui est un des plus grands joueurs de l'histoire du foot. Et la Tchécoslovaquie, qui est finaliste de la Coupe du Monde d'avant et qui est une, la, quasiment une des deux trois premières équipes On ne donne pas le résultat parce que... <laughs> ça, bon, allez. Je peux vous dire que ça a fini ça a été, euh, alors, carton rouge. C'était les... une, une boucherie. Mais en revanche, pour une première, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ouais. Au, euh, alors, on l'appelle comment en ce moment-là Stade, Stade municipale Stade Salle municipal, Stade Voilà. Euh, donc il y, y, y a ça et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, euh, l'Escure, n'est pas forcément à la base un stade de foot, c'est plutôt un Attends. stade pour le cyclisme il absolument et pour pas le rugby. Construit pour le football à la base. <laughs> C'est-à-dire que quand Adrien a marqué euh, et les gens qui travaillent autour de lui décident de construire ce stade, il est fait avant tout pour recevoir le Tour de France, l'arrivée du Tour de France 1935. Il y a évidemment, et on le raconte dans le de notre tome 2, euh, des aléas euh, inhérents à la construction de ce stade, avec un changement notamment d'architecte qui retarde le, le, la livraison du stade ouais. et finalement décide que l'inauguration sera le, le quart de finale de Coupe du Monde. Mais à la base, c'était le cyclisme et le rugby qui étaient les deux sports qui devaient vraiment envahir ce stade. Parce est que que pas, le le ouais. cyclisme, pardon, et le sport roi à l'époque. On l'oublie, oui, mais sûr. entre 1920 ouais. et 1930, et je crois qu'il y a une douzaine de vélodromes à, à Bordeaux et dans sa mmh. région. C'est énorme, voilà. Et le paradoxe, c'est que c'est un match de foot qui inaugure cette enceinte, quoi. Et donc, euh, et il y a pas mal de pas mal de moments assez étonnants. Dominguez, qui s'occupe de, de du, du stade et qui, qui a été l'ancien joueur des Girondins, lui dit une chose. Il dit le stade, il faudrait l'inclure dans un circuit touristique. Ouais, évidemment. C'est vrai. Ah, c'est vrai, que ça. Ça, vrai. Paraît, ça paraît tout bête comme ça. Le stade, Alors, bon. le quartier aussi. Voilà, parce que le quartier est un des plus beaux quartiers euh, art déco qui existe en France et, euh, et en Europe. Et c'est vrai qu'il n'est... Euh, par exemple, vous prenez la ville de Nancy, où il y a des quartiers art nouveau. Ils en ont fait un, un circuit touristique. Voilà, donc euh, il y a peut-être une Pourquoi réflexion. Pas. Pourquoi pas mmh. euh, Le périmètre du patrimoine mondial de l'UNESCO s'arrête juste en face du stade. Il n'est pas euh, inclus au boulevard, le boulevard ouais. en face de l'Arche. C'est dommage. dommage. Mais il y a, y a effectivement quelque chose à faire. Et, euh, et c'est un, un quartier qui est vraiment complètement atypique. Et euh, ben justement, comme disait Julien, on raconte ça aussi dans le, le tome 2 de notre anthologie. Et euh, oui, c'est euh, un vrai monument. Et chaque année, il y a des portes ouvertes qui sont, qui sont là pour montrer ce qu'est ce, ce monument. Alors attention, qui, moi, un quiz, messieurs. Mettez vos mains sur le buzzer, s'il vous plaît. Euh, Comment s'appelle le premier buteur girondin qui a marqué donc à l'escure Moi je sais, je l'ai écrit. <laughs> René Rebibeau. Oui, et nous sommes en 1938. Très évidemment. bien. Attention. Oui, parce oui. qu'il faut dire juste une chose c'est qu'en 1938, il y a eu un autre stade qui a été construit pour les Girondins, oui, pour le les stade Girondins des Chartrons, oui, en septembre 1938. Mmh. Mais Rebibo a marqué sur un match amical d'inauguration, entre guillemets, face à Strasbourg. Voilà, mmh. en 1938. Bon, c'est bien. Oh, euh, oui. euh, Gardez les mains sur le buzzer. Euh, quel est donc le nom du dernier buteur à avoir inscrit euh, à oh, Chaban ouais, à l'époque facile, vas-y. Diego Rolland. Diego en <laughs> mai. 2015. 2015. Le bon. 9 mai, exactement. Bon, parfait. Euh, ça va, ça On va. reviendra. Euh, 1940-1950, extraordinaire, les, les, les Girondins de Bordeaux promus et qui sont champions de France. C'est le premier. la, 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 saison, la première, saison, première fois de l'histoire que ça arrive. Un truc extraordinaire. il y, y a une photo, moi, que je trouve absolument euh, remarquable et admirable, c'est le public dans les vestiaires avec des litrons de rouge <laughs> comme ça, les sandwiches, le béret sur la ouais. tête. Oui. Enfin, c'est tout à fait notre époque. Vous avez dû faire aussi un voyage dans l'histoire extraordinaire, ah, extraordinaire à travers ça. Ouais. Et puis c'est jour et nuit, hein, parce qu'on parce qu ne s'arrête jamais, en fait. On ne ouais. s'arrête jamais et on, on a des choses qui nous viennent la nuit, on dit, ah oui, on fait des recoupements, c'est un, un puzzle géant, en fait. Mais c'est très passionnant, c'est très intéressant, c'est très éprouvant aussi, parce qu'il faut tout vérifier dans la mesure du possible. Bah oui, parce que les sources de l'époque, même si elles sont sérieuses et officielles, comportent quelques erreurs. Et donc ça a été un travail vraiment euh, titanesque, et c'est avec grande humilité que l'on dit ça, parce que, parce que bon, on a... On a souffert, hein. ouais. 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 mais c'est génial, C'est vraiment une quête, quoi, quelque part. Euh, le, le gardien du stade, on, on l'a évoqué là. C'est un, un personnage extraordinaire, ce ah, gardien ouais. du stade qui a habité sur place mmh. jusqu'en 1962 et qui a pu assister à pas mal de choses, notamment la, la mise en place de la lumière. Hein. C'est ça. raconte nous un petit peu l'histoire, Julien. Mais en, en 1963, les girondins de Bordeaux euh, vont rencontrer le, le Real Madrid. Hein. Oui. Euh, c'est la seule confrontation d'ailleurs de l'histoire. Et c'est vrai qu'on se rend équipes. compte que déjà le Real à cette époque est une énorme, ah, oui, oui, oui. énorme, équipe, énorme. énorme, énorme équipe avec des stars star mondiales. Hein, et et, et, et ils, sont en, ils sont en lutte avec l'Atlético déjà. Exact. Euh, voilà. Exactement. Qui et c'est d'ailleurs l'Atlético euh, qui, qui avait qui, remporté à ce moment-là. Exactement. Euh, ouais. Et euh, le Real Madrid vient à Bordeaux pour inaugurer euh, les lumières du stade. Hein. C'est pour ça que notre article s'appelle La lumière fut. Euh, parce que euh, ça Enfin, à Bordeaux, le stade municipal vit un match en soirée, ce qui n'était jamais arrivé, 1963, nocturne. Et effectivement, M. Martineau nous raconte euh, bah, l'extraordinaire travail euh, des, euh, des personnes qui sont venues installer ces pylônes. Incroyable pour pour qui est la lumière. Effectivement, Monsieur Martineau raconte que ce sont presque des alpinistes ouais. venus <laughs> se suspendre pour installer euh, voilà ce texte assez extraordinaire. Et je vous conseille de lire cette anecdote qui est, qui est remarquable. Il y, a, il y a pas mal d'anecdotes aussi. Le livre en est en bourré. Notamment les fameuses balançoires hein, euh, <laughs> dont chacun s'est équipé ah. pour venir. Vous avez des, connu des aussi. Mais qu'on accrochait à la Donc grille. Moi j'ai pas connu. mais' le pas a connu, connu. <laughs> Non moi oh pas oh connu. Là, là. Euh, les, euh... les blocs de polystyrène aussi sur oui. lesquels on montait pour pouvoir parce qu'on était au pesage aussi en bas les, et les balançoires qui étaient accrochés en haut. Des pistes et alors, il y a pas mal de choses, moi, que j'ai retenu aussi. Il y a aimé Jacquet qui se souvient du, de, le, de la ferveur populaire euh, pour le match face à la Juve en 1985. Il raconte ouais. qu'ils étaient en stage, donc à, à Belin, à Belin, Belier, Exactement. et que de Belin, Belier jusqu'à Bordeaux. Le, la, les, les, les routes étaient, euh, étaient noires de monde pour soutenir les Girondins, etc. Et c'est assez étonnant parce qu'en 98, quand Exactement. il gagne la Coupe du Monde la même avec l'équipe de France, il ouais. se souvient ouais. de la ferveur populaire des Girondins de Bordeaux. Et c'est quand même ouais. assez, assez étonnant qu'à ce moment-là, il met Jacquet et puis il bah, ça m'a rappelé... Euh, ah, c'est extraordinaire. Euh, et il a eu la, la gentillesse de nous accorder euh, une pleine page pour, euh, pour un petit peu le, ouais. son œil d'expert. Et effectivement, il fait un parallèle incroyable entre ces deux... Euh, c'est ces assez époques. étonnant. Mmh. Ouais. C'est même, même, voilà. même émouvant hein, parce qu'on va voilà. se dire voilà, ce, 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 cet ouais. homme-là qui a gagné la Coupe du Monde en 98 se souvient de la ferveur populaire qu'il y avait trois ans avant ouais. euh, aux Girondins. Et il y a pas mal de choses aussi. La poignée de main euh, entre Girès et, euh, et Platini avant ouais. justement ce fameux match passe à l'équipe de France. À la vrai, de, de belles photos de, de François Ducasse aussi qui était, euh, qui était photographe pour Sud-Ouest et pour les Girondins. De joueurs. magnifiques photos. Pourquoi et, alors, et de Dominique Lollane aussi, je précise. Mmh. On, parle, on parle beaucoup... Euh, on parle beaucoup de ce fameux tunnel interminable, je crois que c'est 7-8 minutes, hein, c'est ça, entre les, <laughs> les, les vestiaires et la pelouse. Et je ne sais plus euh, lequel de vos, de vos témoins dit, ouais, mais tout ce temps-là, entre le moment où on quitte les vestiaires, où on arrive sur le, sur le terrain, ah, ben, ce tunnel, ça permet de se concentrer, de se dire des choses, et de se remotiver, alors qu'on imagine ça... Michel Télisa qui C'est Lisa. C'est Lisa Razou qui dit, Lisa, ouais. voilà. qui dit ouais, non, voilà. mais mine de rien, ce tunnel... Ben, c'est mythique, c'est typique. Ils pensaient de... qu'ils pouvaient gagner le match dans le tunnel. Ouais. Déjà, ouais. il y avait, il y avait euh, une anecdote qu'on nous a racontée aussi. Obligatoirement, ils couraient dans le tunnel pour euh, faire, euh, mon... enfin pour montrer. Aux, aux adversaires avec le bruit des crampons, clac, clac, euh, clac, clac, clac. Ça, ça faisait peur aux adversaires. Ils arrivaient très vite tous en courant en ligne, ça faisait très peur. Bon messieurs, l'arbitre vient de siffler la, la fin de cette rencontre. Euh, même, euh, on est largement au-delà de, au du temps. Le temps additionnel. Euh, ouais, ouais, ah. c'est plus qu'additionnel. Ah, bah, hein. On <laughs> est à quatre ème temps. Euh, <laughs> en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de l'escure 80 ans. Euh, bon, voilà, c'est dans les, toutes les bonnes librairies. Hein, c'est ce qu'on dit dans ces cas-là. Préface de Ricardo, entraîneur des et de, de Girondins. Préface Absolument, pour voilà, voilà foot et rugby. Et puis un quatrième tome euh, en, en route, oui. après un petit peu de repos. Et puis euh, bah, vous reviendrez nous en parler. Avec, Avec plaisir. plaisir. Allez, on fait <laughs> comme ça, merci. Au revoir. Au revoir.